Un théâtre caractérisé par sa diversité. Ainsi se définissait le théâtre en Côte d'Ivoire au lendemain des indépendances, une diversité allant du théâtre populaire à celui plus hermétique du théâtre dit de recherche. Une constante cependant, la scène théâtrale n'attire plus de monde depuis une dizaine d'années, voire plus. L'année 2013 a-t-elle été une exception? Pas vraiment, disent certains observateurs, sauf que renchérissent à d'autres, la nouvelle forme de représentation artistique proche du théâtre, l'humour fait par des artistes, comédiens et comiques sur scène, a toujours gardé sa vitalité. Les puristes ont cependant, vers la fin de l'année 2013, a commencé à retrouver le sourire. Dialoti Kwai Vincent, Bienvenue Neba et d'autres monstres sacrés de la scène sont de retour. Je suis un fou du théâtre. J'étais tout le temps au théâtre de la Cité, à voir toutes les scènes, tout ce qui se passait, M. Togonini, c'est quoi même, et tous les autres, à voir tous les grands acteurs qu'on avait. Et tout cela avait disparu à un certain moment. Et on dirait que ça commence à revenir. Quoi qu'on dise, le théâtre ivoirien est présent, pourvu qu'il trouve, n'est-ce pas, une plateforme pour s'exprimer. Les hommes sont là, les textes sont là. Le public peut-être manque, mais il manque peut-être parce que bon, il n'y a pas encore ce type de spectacle hautement joué. L'œuvre de Bernard Dadier revisitée sur scène pour l'un, l'impossible voisinage pour l'autre. Des initiatives auxquelles s'ajoute celle de la tutelle à travers le Festival du théâtre scolaire ou le Festival national Vacances Culture. Le théâtre, cette année 2013, a, semble-t-il, décidé de marquer les esprits. Reste à confirmer en 2014, peut-être l'année du théâtre, du vrai théâtre.